Savoir-vivre, il commence à être un petit peu connu maintenant. Rappelons-nous ses performances, deuxième leader pays allemand groupe 1, gagnant du Grand Prix de Deauville, de Pouhambou, le derby est venu de derrière, huitième de l'Arc. Alors un cheval qui a fait une super performance à 3 ans. Après, l'année dernière, il n'était pas aussi connu encore. Tout le monde nous demandait qui est son père. Adler Flouk, personne en France ou presque personne connaissait ce père-là. Et bon, cette année, ça a totalement changé. C'est l'année de l'Adler Flouk. C'est le seul fils d'Adler Flouk en France. Et ça a bien fait la pub pour les talents. Et il est très demandé cette année. Pour vous parler un petit peu plus en détail de ce fameux Adler Flouk alors ? Adler Flouk est un cheval qui a un étalon qui n'est pas plus jeune, mais c'est le meilleur étalon en Allemagne en 2020. Première, deuxième du derby allemand et après deuxième de l'Arc. Physiquement, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? C'est un cheval qui a l'air très équilibré. Ça va vivre. Il a une bonne taille. Après, il marche très très bien. Et ce qui a plu avec lui dans ses courses, c'est qu'il tient la distance. Alors pour ça, il est très demandé pour l'obstacle. Père de Mermonzoun, ça aide aussi. Et en même temps, il a un point de vitesse assez remarquable qu'on a vu dans le derby d'Allemand et dans l'Arc. À combien il fera la saillie ? C'est la deuxième année. Il avait fait la monte avant, mais il faut juste rappeler un peu pour situer le cheval. Oui, le cheval est à 1800 hors taxe cette année. Par contre, il y a une promotion, on peut acheter une breeding right, une droit de saillie à vie pour 3000 euros qui donne droit à une saillie par an plus deux saillies bonus les premiers 3 ans. C'est très intéressant.